Bonjour à tous. Donc, je voulais vous refaire une petite vidéo pour vous montrer les bégonias que j'avais acheté ce matin. Oui, donc il y a beaucoup de vent, hein, donc vous voyez. Donc là, j'ai mes géraniums comme j'avais fait la dernière fois. Et au milieu, j'ai mis des bégonias. J'ai mis un bégonia rose à fleurs rouges. Je l'ai mis au milieu. Hein, pareil dans les trois jardinières. Hein. Les géraniums vont pousser en retombant comme ça et le bégonia va être sur le milieu. Hein. Ouais. Et le bégonia est milieu. Donc ça, celui-là, c'est également un rose à fleurs rouges. Hein. Ah ouais, vous voyez qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Et là, pareil. Hein. Celui-là, il a un peu plus... les bégonias, c'est idéal à l'ombre, au soleil. Là, en l'occurrence, c'est au soleil le matin. Et l'après-midi, c'est l'inverse. Hein, parce qu'à l'ombre, là-bas, c'est au soleil. Et là, c'est à l'ombre. Hein. Donc, ils se plaiseront bien. Donc, voilà. Hein, je les ai repiqués et j'ai arrosé. Voilà, on voit mon monde. Coucou. J'ai aussi, également, pour habiller un peu le vent, j'ai acheté une suspension de Dragon Wing. Donc voilà. Et... Donc, Begonia Dragon Wing, suspension. Hein. Donc celui-là, c'est à fleurs rouges et à feuilles vertes. Voilà. Donc, il se plaisera bien ici parce que. Voilà, pareil. Hein. Il est au soleil, mignon, voilà. Donc là. Donc voilà, donc le bégonia Dragon Wing en suspension et les trois petits tubéreux dans les jardiniers. Voilà, c'est tout pour le moment.